Do you speak English? Do you speak English? Did you have to? You had to leave your husband. You are alone with your. Yeah, I had to leave my husband. Yes, I'm scared and I don't know what to do. I want to back my home. I don't want to go abroad. But I am scared. I'm scared about my children. I want to say that I won't stop war in Ukraine, and I hope that it will be soon. I am scared, and I want peace. Very want peace for all my Ukrainian people. Putin. Began the war. They come on my land to kill my brother and my sister. How we can't be able to bring my sister. I'm sorry. Good luck. Thank you for all you do for Ukraine. Thank you all world. Yes, really. Thank you all world. That you are with us, you want peace in Ukraine, you want, thank you very much. So what's his name? His name is Kevin, yeah, Kevin. Yeah. What country are you going to now? In Italia. Mm-hmm. Є там родина там є в Італії, і ми переїжджаємо в Італію на деякий час тимчасово. And how do you feel? Дуже переживаю за чоловіка, який там залишився, і за, звичайно, за свою країну. Хочеться, щоб це швидше закінчилося. Mm-hmm. Це дуже страшно, насправді. Це не знаю. Це просто неможливо. Мозок не може сприймати цю інформацію, що це реально. Кожного дня здається, що це якийсь сон. Що ми проснемося і буде як раніше. Тому що в 21 столітті, там, коли Ілон Маск відправляє ракети в космос, в нас є інтернет, цивілізація, і тут в один день все стає таким жахливим. Це страшно. І не віриться, взагалі не віриться, що це відбувається поруч. So, good luck. Дякую, thanks. Хай. Кажи папа. Папа! Tous ces mamans et ces enfants qui ont laissé leur mari et leur père dans leur ville, dans leur village, à combattre l'ennemi, quoi. Ils n'ont rien cherché. Puis là, ils savent pas où ils vont, ils savent pas qu'est-ce qu'ils trouvent, mais surtout ils savent pas s'ils peuvent un jour revenir dans leur pays, libres comme ils étaient avant deux semaines en arrière, quoi. Un peuple qui est pacifiste. Moi, ça fait depuis 10 ans que je viens d'Ukraine pour le travail et pour l'amour. C'est un peuple incroyable. Ils sont très latins. Ils sont ouverts à tout. C'est pour ça qu'ils aimeraient rentrer dans l'Europe. Parce qu'eux, ils ne se sentent pas russes. Donc, oui, c'est dur. Je me retiens parce que je suis un homme, donc il ne faut pas montrer. Mais mon cœur, il pleure, oui, ça fait mal au cœur. Là, vous êtes chez vous, devant l'ordinateur, devant la télé, à voir ça. Mais quand vous, ici, nous, on voit ça, oui, on ne peut pas expliquer. Seulement en regardant ces gens qui sont là, ça fait pleurer, quoi. Voilà. Thank you.
c'est un exode, ça. C'est tuer un peuple, une nation. J'ai la rage. Vraiment. Distrugge tutto, ospedale, tutto. Siamo scappati via, presto con me. Dove sei? Vicino Kiev, город Белая Церковь, città Белая Церковь. Voglio bombardare ospedale di militari, però non è... Бомба non è andata a giusto posto, capito? Allora bombardato case, gente civile. Molto brutto, bruttissimo. Tanti bombardamenti, tanti suoni, allarme sempre. Sì, però Ucraina resista? Penso di sì, perché i nostri soldati sono forti. E nostra gente anche forte. Noi cerchiamo di ricostruire il nostro paese. Che le dà la forza? Che è la forza? Di dove incontra la forza? Perché noi siamo a casa, loro venuti da noi, no? E noi non c'è sì, per qualche giorno, qualche mese andati in altri paesi, però casa è sempre casa. Vogliamo vivere città, paese nostra e terra nostra. Importante aiutare i nostri militari ora, quello più importante. Ci sono dottori che guardano, certo, che aiutano, però ora, in questo momento, bisogna aiutare i nostri militari, quello più importante. You, as an Ukrainian, you don't, you're afraid for your family, for everybody. Yeah, we have four children with us. We are afraid of the war, of the Russian starts the great, big, the sad great war, and it is very dangerous, and we are very afraid. They can afraid us in every town of our country. They can bomb in every city, and big city is also in dangerous. I have mother, she stayed at home. yes. And we are in very difficult situations. I'm so confused, I'm so scared, so I, with my mom and brother, leave the country to find our home and help for us. Mm-hmm. Yes, it is too hard for me because my father lives here and he stays here, and I'm too nervous for his life, and I wanted him also to be saved. So what's your message? 17 years old, you have to flee from your country. What's your message? For what is war? For what innocent people died? And I asked Putin to stop this war, because why innocent people is so scary about this, and why they leave their homes to find home in another country. Thank you so That's much. It. Good luck. Thank you. Ouais, là, ces réfugiés qui sont là. Là, voilà la réalité, quoi. Voilà pourquoi, en fait, vous êtes venus ici. Vous êtes venus pour aider jusqu'en Ukraine, c'est sans doute en voyant ça. Ouais, bah oui, mais là, il n'y a que des femmes. Hein. Et elles partent toutes sans leur mari. Sans leurs enfants majeurs, donc ça c'est dur, ouais. Ouais, mais voilà, c'est la dure réalité de la guerre. Comment ça va? Vous voyez ces réfugiés là?
Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est triste. C'est triste de voir toutes ces femmes, ces enfants qui doivent partir, quitter leur pays sans leur mari, sans leur père. C'est vraiment... c'est touchant, c'est blessant. Quand on soit en 2022 et que des gens doivent vivre ça, c'est horrible. C'est horrible. Je sens que vous avez les larmes aux yeux. Ouais. Bah, j'ai un enfant de 5 ans, donc je peux imaginer ce que peut vivre un père, et ce que peut vivre l'enfant, ce que peut vivre la femme, c'est horrible. C'est vraiment triste d'avoir des images comme ça. Que Dieu soit avec vous, mes enfants. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas tout ce qu'il y a, franchement, ils ne méritent pas. Moi, j'ai mal au cœur quand j'ai vu tout ce monde-là. Tu dis? Je dis, j'ai mal au cœur quand j'ai vu tout ce monde-là. Franchement, j'ai mal au cœur, je te jure. Tout à l'heure, je parlais à une dame là-bas, j'avais les larmes aux yeux. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal qu'un fou provoque tout cet exode-là. Un fou de merde. Un fou de merde qui s'appelle Vladimir Poutine. Regarde-moi ça, regarde cette misère. Regarde. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour qu'ils finissent là? Rien. Hello. Comment ça va? Voilà. Ah, je suis mort. À la même ville où on était avant, à Ujugrot, mais côté Slovaquie. Donc j'ai pris deux sœurs avec leur mère, une fille 12 ans et puis un bébé de 1 an et demi. Il y a un petit chien qui aboie tout le temps. C'est depuis 7 heures ce matin qu'ils nous attendaient. Ben nous, on avait du retard, en plus avec la douane qui nous a fait attendre pas mal d'heures. You can say hello, the camera. Hello. How are you? Okay. 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 Thank you. Hey, ciao. So, how was the trip? They don't speak English. A little bit. In Ukrainian. How was the situation? Oh, very, very bad. Very, very bad. In what sense? What happened? Война, як объяснить, дуже важко, дуже
переживати це все. Рідні всі там. Ми попитались уїхати, так сказати, в спокійний мир. А всі душою всі там остаємося. What's his name? Charlie. 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 So. It's not. It's not Putin. Not Putin. So. No Putin. So. No Putin. Yeah. Parce que t'es envoyé, c'est pour ça. Et voilà. Ben, voilà la famille qui va à Neuchâtel. J'ai une amie à moi. Puis ils vont se reconstruire. En espérant qu'ils ne restent pas trop longtemps à Neuchâtel, puis retourner dans leur pays, libre comme avant. Ben, voilà. Et puis comment ça s'est passé alors? Qu'est-ce que vous avez fait pour les sortir de là? Ben, ils se sont organisés avec sa famille de Neuchâtel pour que moi je vais les chercher à la frontière. Comme ça, maintenant ils font la route avec nous. Puis demain, ils vont rejoindre sa famille de Neuchâtel. Puis on verra la suite pour eux. Vous êtes très très fatigué, hein, ça fait 48 heures. Ouais, moi je suis trop naze là. Moi j'en peux plus. Ça fait depuis 7 heures hier matin que je suis debout. 6h30, puis voilà, là je suis KO. Juste, hein? How is the situation in Ukraine? Bad? Yeah. In Ukraine? На українському? На українському, так. Ситуація не найкраща. Всім дуже тяжко. Всі люди страдають у нас в Україні. Тихо. То не Путін, тихо. Дякуємо вам за те, що ви нас до себе взяли, тому що дуже, 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 дуже погано в Україні зараз. Аня. Анна. Анна, what's your name? Аня. And situation in Ukraine? Плохо. And for you? Situation in Ukraine? Любо. Що я можу сказати? Дуже тяжко. Дуже, бо тому що там остались наші рідні, наші чоловіки. Я не можу говорити, мені дуже тяжко говорити. Я тебе не впевнений. Ну, Путін, черт, чужий. No Putin. 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 Все. Нет. No Putin. Все. Окей. Okay. Let's go. On dormit un petit peu et on va continuer notre voyage, notre aventure. On l'a vu, hein, cet enfant qui est très joyeux, qui jouait avec vous en Ukraine, et maintenant, voilà, il est dans cette voiture et il part pour une nouvelle vie. Tout à fait. On verra quelle vie il va prendre. On a deux voies. Ça va être une complètement nouvelle vie qui sera complètement à l'extérieur de son pays. Ou peut-être même sans son papa. Et une autre voie que peut-être cette M, ça va vite finir. D'ici peut-être 2, 3, 4 mois, il est de retour. On verra. J'espère plutôt que ce serait cette voie-là. Pour lui, pour sa famille, pour tout le monde. Super. Merci. Allez, merci. Bon voyage alors. Merci. Toute famille. Merci.
So you like to be here? Check. Entire people leaving the country. So many people leaving the country. It's an exod. Да, это я про чувства многих людей. Они очень разные, и мало в этих чувствах хорошего, потому что люди все бросают, уезжают, и это же все дорого сердцу. Многие вынуждены оставлять не только дома, но и близких людей. Вот, а наши мужья защищают нашу страну, а наши братья, наши друзья, ну, все будет хорошо. Go, you don't think about all. You see sky, you see people, you see horror, and you're feeling good. But when you're thinking about country, about friend, about situation in our country, feeling bad. Because no, it's very difficult. Non, il y en a la famille hein, ukrainienne avec nous. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en prendre plus. Mais bon, à un moment donné, voilà, on peut pas tout le temps prendre tout le monde. Mais ouais, c'est dur, c'est émouvant. C'était quand hier soir, quand on est parti, puis on était à la douane. Je pense que tu as vu aussi l'écart avec ses mamans, ses enfants là qui. Désolé, mais c'est trop dur. Mais voilà quoi, c'est. Qu'est-ce qui vous a touché là-dedans? Ces moments, les enfants qui partent, les maris qui restent. Faut pas comprendre. Faut pas comprendre. Comment est-ce qu'en 2022 on peut faire des choses comme ça? C'est affreux. Ouais, je peux plus rien dire. Je vais chercher une barre, c'est pas.
Quand on passe la frontière et puis qu'on voit ces autocars de gens complètement démunis qui veulent rentrer dans un bus pour les réfugiés dans un autre pays, avec un petit sac à dos et des enfants au bout des bras. Quoi. Ouais, c'est terrible. Et puis voilà, on se réjouit d'arriver déjà chez nous parce que c'est un sacré voyage et puis de pouvoir les apporter, ces gens, vers leur famille d'accueil. Ça s'est super bien passé, on les a pas entendus, ils ont dormi quasiment tout le long. Là, on ressent leur bonheur. On arrive gentiment aux frontières suisses. Il ne reste plus que quelques heures de voiture et après, on y est. Quoi. Donc, je pense que ça se fait ressentir et on le voit dans leurs yeux, ça pétille. Donc, ça, c'est quand même un bon sentiment. Vous alliez avec confiance, hein. Vous vouliez aider quand on est parti, vous disiez. Et du coup, maintenant, on a vu aussi des choses dures. Enfin, comment vous sentez les choses? C'est clair qu'on se met tout de suite à leur place. Hein. On essaie de s'imaginer ce qu'ils ont pu vivre là-bas. J'ai entendu même dire qu'il y avait des gens qui buvaient une bière pendant que les bombes sont tombées. Quoi. Donc c'est vraiment, on sort du bar, c'est un autre monde, on arrive chez nous, il n'y a plus rien. Et puis je pense que c'est quand même une sacrée satisfaction. Et moi, personnellement, c'est une énorme satisfaction, une grande fierté de pouvoir les ramener dans notre pays et pouvoir leur montrer ce que c'est quand même que d'être confortable chez soi sans avoir une bombe qui nous pète à côté. Quoi. C'est ça qui me rend heureux, de pouvoir aider à ces personnes-là, parce que ces personnes, ils n'ont rien demandé. C'est comme toi et moi, on était tranquilles chez nous, dans la maison avec nos enfants. Et tout à coup, il y a un fou qui décide que notre vie doit changer. Et c'est ça qui est injuste. Et puis, rendre un peu de justice à ces personnes, c'est ça qui nous rend heureux. Merci.
Is it okay? De voyage. Welcome. C'est 8 km. Okay. Good. Yeah. Okay. You feel good? Perfect. And if you need something, you call me, okay? Okay. You write a message. No problem. Okay. Thank you. Take care for Misha. Start. Question. Reaction. One reaction. How do you feel? Волнуюсь за родных, но облегчение от того, что ребенок в безопасности. De voir cet accueil de ces familles ici, comment vous réagissez? Ça donne chaud au cœur, c'est un moment plein d'émotions. On arrive ici épuisé et avoir cet accueil, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est impressionnant, ça fait vraiment chaud au cœur de se dire qu'on a fait quelque chose d'important, quoi. On parle toujours de nous et qu'on a amené les affaires, mais il ne faut pas non plus oublier les héros aussi qui sont derrière tout ça, parce qu'on a... On n'a pas que travaillé pendant ces 3 jours qu'on a amené les affaires, on a travaillé maintenant depuis 2 semaines à récolter les affaires, à les emballer, à les étiqueter, à les stocker, à les mettre en place, à regarder avec les gens. Alors c'est vraiment un travail énorme que grâce à nos familles, hein, parce que c'est surtout de la famille qui a aidé, des amis qui font partie de la famille. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis sans qu'on les connaisse. Exactement, donc, ça aussi. Qui ont fait confiance directement au mouvement et qui sont venus mettre la main à la pâte, aider comme ils pouvaient. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ce genre de choses sans rien mettre en place, parce qu'on est à notre échelle, c'est impressionnant de faire ça. En tout cas, merci pour tout. Hein. Merci à tous. Merci. À tous. Merci. Merci à tous. C'est vrai que c'est émouvant de voir tout ce monde qui vient pour nous, mais bon, on n'a rien fait de spécial, on a juste fait ce qu'on doit faire, c'est d'aider son prochain. Donc, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Juste aider son prochain quand c'est nécessaire. Et puis, si on fait ça, on va bien avancer. Vous, le regard, hein, votre père, on imagine que vous avez fait du souci. Alors, je me suis fait du souci, mais en même temps, j'étais très, très fière de ce qu'il a fait. Et je trouve vraiment incroyable ce que David a fait. Et le fait que mon papa se soit investi et aussi soit parti là-bas, je trouvais ça juste incroyable. Mais je ne cache pas que j'étais vraiment... stressée, parce que c'est quand même un pays en guerre, et puis je suis très contente le fait qu'il soit revenu. Donc voilà, j'attendais le retour, et je suis très fière. C'est tout ce que je peux dire. C'est Arnaud. Voilà, ça c'est le garçon, le Camille. Plus dernier. Voilà, donc la famille réunie, c'est sympa. Ils étaient tous comme ça, un peu attendus. Voilà, on est de retour. Ouais, on est content. On attendait les nouvelles tous les soirs et puis voilà quoi. Ouais. La nuit aussi. Non. C'était long. C'est magnifique la démarche de Danilo de partir. Il était déterminé, on ne pouvait pas l'en empêcher. On ne pouvait pas changer d'avis, ça c'est sûr, là, il était parti. Il a dit merci de me laisser partir. C'est vrai ? Ouais. Ah, il ne nous l'a pas dit. Non, mais c'est bien. Il nous montre l'exemple, c'est ça qui compte. Hein. C'est montrer l'exemple aux autres et puis montrer que voilà, même si on sort du quotidien et on fait quelque chose de bien, on y arrive quand même. J'ai pas dit que je repartais le week-end prochain. Pas encore. On s'est préparé psychologiquement. J'ai gardé ça pour moi. Hein. Et juste aussi, il y a quand même une chose, ces familles sont ici en sécurité. Il y a aussi toutes ces femmes ukrainiennes qui laissent leur mari dans leur pays puis qui quittent le pays. Votre regard ? Oui, c'est ça. On en a juste ramené quelques-unes. Et puis d'autres sont parties dans d'autres pays, mais sans leur mari, ou même sans leurs adolescents. Hein. Ils sont appelés à faire la guerre. Eh oui. Alors c'est clair. Du coup, la retrouver avec la famille a d'autant plus de valeur, on imagine. Ah oui, on a de la chance d'être ici.
Et il est content que tu sois là. De savoir ce qu'il a fait, c'est clair que c'est incroyable. Et puis ben, le bonheur, ça, c'est que tout s'arrête et puis que ces gens-là puissent retrouver une vie normale. Parce qu'ils font quelque chose pour ceux qui arrivent, mais il y a tout le reste là-bas. Donc on est très partagé au niveau émotion. Vraiment. Pour transporter tout ça. C'est dur. Donc c'est un soulagement pour la famille. Et puis un soulagement pour nous, là, d'avoir fait ce périple, c'est quand même lent. C'est quand même des risques qu'on a pris. La voiture, c'est quand même pas si simple. Et puis on est content d'être arrivé et puis d'avoir pu rendre service. On n'a pas beaucoup dormi, hein, nous non plus, mais voilà quoi. C'est vrai ? Oui, on est un peu stressé quand même de savoir qu'ils arrivent entiers, qu'il ne leur arrive rien en route et quoi que ce soit. Mais bon, on est content, ils ont fait une bonne cause, une bonne action. C'est le principal. Ils sont tous là entiers, c'est bon. Alors l'accueil, il était mémorable et phénoménal, je pense. C'était quand même quelque chose de fort en émotion parce qu'on se rend compte que malgré la situation ailleurs, qui peut être vachement catastrophique, bah, tout le monde se réunit dans un même endroit, tout ça pour se soutenir et tout ça dans le même but. Et en fait, c'est comme preuve d'humanité, je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Et aujourd'hui, on a eu la preuve que l'être humain a encore une conscience et l'amour existe toujours. Voilà. Мы чувствовали себя в безопасности. Они помогали нам разобраться, где покушать, что покушать, как покушать и тому подобное. Переезд был более чем комфортный. Короче, все было amazing. Спасибо. Thank you. Merci, merci, merci. Again. Thank you very much. TV star. Thank you very much. No, it's no problem. It's normal. It's from heart. Okay? Thank you. Ciao. And welcome to Switzerland. Toda. Moi, j'ai enlevé une chaise parce qu'il m'a dit qu'il y avait un bébé. Et toi? Ils sont partis de à côté de Kiev, si vous connaissez Boucha, Borodianka, dans cette région-là. Ils ont fait plus de 10 jours de voyage fatigant. Ils sont partis comme ça à l'arrache en risquant leur vie. Moi, je suis très, très, très contente qu'ils soient là. Je suis heureuse, mais c'est vraiment une idée géniale de la part de tous ces garçons, tous ces hommes. C'est des héros, on peut les appeler les héros. Je ne sais pas d'où ils ont eu cette idée d'aller chercher, d'être bénévole. C'était vite organisé. J'ai vite contacté David qui a organisé tous ces voyages. Вдячні, що вони молодці. Нас підтримували по дорозі, годували нас. Ils sont très émus, ils sont très heureux, ils sont touchés parce que l'équipe vraiment, ils disent que l'équipe elle était géniale. Pendant tout le voyage, cette équipe les ont essayé de garder le moral. Ils ont donné à manger, ils se sont arrêtés autant de fois qu'ils voulaient pour se reposer ou faire leurs besoins. Ils sont heureux. Ils sont heureuses. Bienvenue, comment on dit en ukrainien? Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Вам кажуть ласкаво просимо з телебачення. Merci. On va rentrer, ils sont très fatigués. On va rentrer à la maison. J'ai préparé le borscht, le plat ukrainien national. C'est la soupe. C'est une espèce de soupe, c'est un pot-au-feu ukrainien. C'est une autre tradition. On y va. Merci à vous. Merci. Et puis lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut. Salut. Maybe we need to show some Alisa. Thank you.
Hey. This is my daughter. This is my baby daughter. Hein? This is my daughter. Hein? C'est Elena. Bonjour à Anisha. Oui. C'est pas grave d'avoir peur. Ah, yes, la carine. No tienes que tener miedo, cariño. Ah? Ok. Take care, hein? Quand les gens ils sont réunis et ils sont ensemble, je sens la force. La force vraiment, je ne sais pas, la force importante pour les Ukrainiens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là et on est prêt à aider. Vous êtes ukrainienne vous-même, hein? Donc oui. Ça compte d'autant plus cette action d'Avidé. Oui, bien sûr, je suis ukrainienne et ça a commencé à partir du voyage, ce qu'on a prévu à faire pour sauver ma mère et ma copine avec ses enfants. En frontière, on a vu les femmes et on était impressionnés quand on a vu les femmes avec tout petit bébé qui passaient les frontières tout seul, qui sortent de frontières et après, qu'est-ce que ça attend? Ça fait trop mal au cœur et je pense que c'est passé quelque chose dans la tête. Et on n'a même pas réfléchi qu'on va faire ça ou ça, on a commencé à faire. Bah, maintenant c'est l'Ukraine, c'est le pays d'adoption à moi, mais ça aurait été l'Autriche ou bien l'Espagne ou l'Italie, ça aurait été la même chose pour moi. Si je peux aider, même si je le prends sous le temps de mon travail, c'est pas grave. Du travail, on en trouve toujours, même si on me fout dehors, c'est pas grave. Mais là, c'est une vie... si la personne elle meurt, ben, elle ne revient pas. Quoi. Parce qu'il y a des villes comme Mariupol, il n'y a rien qui sort, rien qui rentre, à part des missiles. Donc eux, ils ont vraiment besoin de manger et de boire, ils n'ont rien du tout. Ils crèvent vraiment la faim. Vraiment.